Qu'est-ce qui bloque la mise en place du gouvernement? Est-ce que c'est la constitution qui est à la base de ce retard? Le chef de l'État a été investi depuis le 20 janvier dernier. Nous sommes au mois de mai, plus de presque 4 mois. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Qu'est-ce qui bloque cela? On le saura. Vital Kamerhe, président donc de l'Assemblée nationale, c'est une évidence parce qu'il est seul candidat à ce poste, élection prévue le 18 mai prochain. Quels sont ses objectifs? Comment compte-t-il? Quelle la touche qu'il veut apporter à cet hémicycle pour cette législature? Mesdames et messieurs, merci. C'est un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Nous recevons pour vous une personne que vous allez découvrir. Je vais lui donner la parole. Il va se présenter. Il va présenter aussi son parcours. Il est de l'UNC, c'est Monsieur José Ntedika Nimi, il est le porte-parole national adjoint du parti. UNC, il est également le Dirkaba du gouverneur du Congo central, qui est sortant, Monsieur Gubandou. Il a un long parcours au sein de l'UNC. D'abord, c'est un plaisir d'être avec vous, Monsieur José Nimi. Monsieur José Ntedika, merci beaucoup de nous honorer. C'est un plaisir partagé qu'on se retrouve ici. Ouais. C'est la première fois que je viens dans votre chaîne, mais je dois avouer que je suis impressionné par ce que je viens de trouver. Et donc, je souhaite, sinon j'espère, que prochainement vous m'inviterez encore. Et à cette occasion-là, je précède déjà, je dirai amen. Alors, en termes de parcours, bon, c'est vrai, je suis le porte-parole national adjoint de l'UNC, donc il a plu au président national de pouvoir m'élever à ces postes-là après que j'ai commencé. Pour la petite histoire, je suis du Congo central et je viens aussi du Congo central, c'est de là que j'ai pris mon adhésion. Et donc en commençant par membre effectif, donc sans fonction, et puis après je me suis occupé de la ville de Matadi. Et toujours par la volonté du président national, il m'a élevé à la fonction d'interfédéral du Congo central. Et ce qui fait qu'en 2019, à la constitution du cabinet du chef de l'État, il a plu au chef de l'État de pouvoir m'appeler à son cabinet. C'est ainsi que les autorités du parti ayant jugé une certaine incompatibilité avec mes fonctions d'interfédéral, ils m'ont ramené ici. Donc voilà un peu, en gros, mon parcours à l'UNC. Voilà. Votre formation universitaire? Je suis ingénieur de l'ISTA. ISTA Kinshasa. D'accord. Où je fais des études d'électricien. Électricien. Voilà, je suis ingénieur électricien. Et puis donc sur le plan professionnel, je suis cadre à l'OCC. Mais évidemment, en étant en détachement au regard de mes fonctions que je suis en train d'occuper récemment ici. Merci beaucoup, monsieur José Ntedika Nimi. Je ne suis pas seul, je suis avec ma collègue Naomi Pila Mbote. Mbote Ndeko Dan, Mbote Ndeko José Ntedika. Mutuna Yali Bosso. Quand mon ingénieur a commis la politique et comme il a une idée, ça a été. Et mon ami Balé, tout le monde a élection des Kani, il y a gouverneur et des Kani Kuna à Congo central. Une partie, il y a Baï Tokuna Balobaki qui est celle qui m'a la montée. Si ma Mobeko et Katamaki, Yolanda qui est sur place, ni ne couvre pas sa balle. Bon, nous avons un ingénieur et qui est en côté dans ma combat politique. Et ça, quand on a eu le bac, ma campagne politique est talibisonnionso. Et talikaka catégorie, mon côté est talibisonnionso. Donc voilà un peu, on a été intéressé. Il y a eu la campagne politique et tout ça, peut-être dès le jeune âge. Et puis bon, le fait de côtoyer un peu Mikolo, bon, les Lopé, on a commis combattu un peu. C'est vrai que l'Italie politique, on a banda un peu, moi, Kala quand même. On a eu le bac de manière active depuis 93, 93. Donc, tant que étudiant, et tout ça, des cas plutôt là dans la Mikolo. Et donc, Nabandi, ma combat politique n'est pas à Autotika Bissot, ou le tout d'Ele Albert. Peut-être
par rapport à Ajnabino Bokoye que vous allez un peu moi Kobunga Mouké, mais premier gouverneur, il y a Banque Centrale, il y a Congo. Donc, il y a des moutou, et pas il y a des tomandi koye kola, un peu, voilà, Mboke Zalakaboye, voilà, et voilà, voilà, voilà. Donc, un peu. Na bandaki kunape na koli na koli na koliti na yokota na UNC depuis 2011 depuis 2011 à partir na taditi voilà n'arrivé à occuper ba fonction. Alors je crois que makambo ya Congo central na quand ces années on a contentieux judiciaire. Alors tout le coup makambo ya niveau ya justice je crois que ils ont cinq ba commentaires mingité. D'accord. Comment expliquer justice et qu'attend. La question déjà de Grâce Bilolo qui était le gouverneur adjoint. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il veuille se présenter seul? Des ambitions. Des ambitions, tout le monde peut avoir des ambitions. Ce sont des ambitions. Ces ambitions, lui, moi, je ne les gère pas. Des ambitions. Pas de conflit interne entre le gouverneur et son adjoint? Bon, je sais que ce sont des ambitions, des conflits internes, à supposer qu'ils aient été, mais moi, ma position de directeur de cabinet adjoint, ce n'est pas des conflits dont je peux parler sur la place publique. Je crois que ce n'est pas décent, je pense. Mais en termes de gouvernance, de que Monamboka, le Kolozala qui n'a qu'à y gouvernement, il gouvernera et à Congo central. Et bien, il y a une opinion, il y a comment avec Moussa et ça, même à la montée. Insécurité, Matima Kassi, problème, moi, Mingi, est-ce que vous travaillez le Lingé d'Ongoban? Bon, madame, il dit que gestion Yamboka, et même toujours, il y a une controverse, on y a une controverse. Alors, c'est vrai que le problème est allé. Est-ce qu'il va rencontrer Ango à 100%? C'est peut-être un peu difficile, compte tenu à moyen, compte tenu à temps, compte tenu à Makambo Bélé Bélé. Mais je crois que ce qu'on peut noter, c'est que bon, effort, il faut fournir pour que rencontrer Ango. Effort, on est même bas résultat. Bon, résultat, il faut. Et on a bien. Ils ont la controverse. Mais bon, je crois qu'il faut laisser ce débat-là. C'est un débat qui reste ouvert. Et je crois que par rapport à la position, à quoi il faut défendre. Mais je crois que l'essentiel, quand on gère, il faut avoir l'humilité. Surtout, il y a qu'à répondre à ma genre, à ma question. Pour ne pas aussi trop froisser les gens. Hein? Ou s'installer dans satisfaction au bout et tout ça parce que nous vous allez être condescendant, arrogant, non voilà tout va bien et tout alors que Batoazo Koufa par exemple, vous comprenez, ça froisse, ça dérange. C'est vrai, ça n'a peut-être pas cause à la satisfaité, c'est normal et il faut payer ma réclamation là pour pousser justement les dirigeants basal encore mieux parce que ce que nous recherchons c'est qu'on fasse davantage. On ne saura pas atteindre les 100% des résultats, mais il faut toujours faire davantage. Or, ce qui est obligé, non, on a une satisfaction. Donc, on s'est fait un effort. Mais moi, je vous dis, nous devons être humbles. Il y a un habit, et ça, n'a pas controverse. C'est ça la réponse. Ça n'a pas controverse. Ça n'a pas été bien. Tout va bien. Mais moi, je crois, ce n'est pas trop mon style. Okay. À partir du moment où les gens peuvent pleurer. À partir du moment où les gens, regardez, son habit que voilà, ça marche alors que par exemple, Nakoba, regardez, la condescendance voudrait amener au Loba. Non, il n'y a que par exemple deux personnes Bakoufi. Mais deux personnes, vous êtes tenus à protéger ces deux personnes-là. Voilà. Donc nous devons, je crois, être un peu par rapport à ma réclamation, Nabino, pour faire
davantage. Et tout à sa en faisant comprendre que les 100% ne sera pas la terre. Oui, mais est-ce que, et donc, donc c'est un peu ça. C'est dur, mais il faut tenir compte, peut-être il y a temps, tenir compte d'abord. Moyen, hein, je crois. Namana Olanda, dernièrement, une émission, Bano Salam, Bano Tangaba. On dit par exemple l'armée américaine, le budget armée américaine, je crois que c'est autour, c'est plus de 250 milliards de dollars armée américaine, ce qui déjà est dépassé budget au Yabiso. À force, quels sont les moyens que vous allez mettre, par exemple, la police, la police pour la sécurité, pour encore rencontrer bah, problème. Alors que bango bako tchaba moyen pour la sécurité, mais ils ont encore des problèmes. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça aussi qu'il faut, et c'est, il faut qu'on tenir compte, non, le temps, les moyens, l'espace et tout ça, pour que tous allaient être arrogants pour dire non, tout va bien. Non, non, c'est pas trop mon style. Est-ce que le fait déjà que Gubandou n'ait pas été désigné comme candidat de l'Union sacrée pour l'élection du Congo central n'est pas une preuve qu'il a pas satisfait l'Union sacrée par son mandat, par son bilan? Bon, je crois que je peux être très mal placé pour répondre à cette question-là parce que je n'étais pas parmi les décideurs pour savoir quelles ont été les raisons pour lesquelles ils aient opté pour telle ou telle option. Si j'avais été décideur, je vous dirais non, voilà, nous avons opté pour telle option parce que voilà les critères qui avaient été établis. Mais quelles conséquences, quelles leçons vous avez tirées du fait que votre candidat n'a pas été reconduit? Il y a des candidats, il y a des gouverneurs qui ont été reconduits comme candidats. On va dire, par exemple, dans le Haut-Katanga, Jacques Kabula a été, malgré les 5 ans passés, il a été reconduit comme candidat de l'Union sacrée. Quelles leçons vous avez tirées, vous, au niveau du Congo central, le fait que votre famille politique ne vous a pas renouvelé cette confiance-là? Non, moi, ce que je peux retenir. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est que les hommes passent, les institutions restent. Nous devons tout faire pour que nous puissions donner l'impression que nous pouvons pour donner certaines formes à nos institutions. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut seulement que ce soit dédicat qui soit là pour que cette institution ait la bonne représentation? Je ne pense pas. Les institutions demeurent. C'est les hommes passent. On parle de grâce. On ne va pas personnaliser les débats. C'est ça. Grâce Kwanga Bilolo, ouais. Le candidat de. Non, il a été élu déjà, gouverneur du Congo central. Beaucoup parlent de son incompétence. Si vous deviez choisir entre lui et Gubandou, du point de vue compétence, vous choisirez qui? Bon, malheureusement, je ne suis pas député. Non, je parle de vous. Non, mais si j'étais député, j'allais porter un choix sur l'un ou l'autre. Maintenant, tout ce que je puisse dire ici aura sans effet. C'est sans effet, comme dire les gens. Si j'étais député, je vous répondrai avec beaucoup plus de... Et là, vous ne voulez pas vous exprimer à ce sujet? Non, parce que c'est superfétatoire. Il faut avoir qualité pour pouvoir juger. Moi, je ne suis pas député. Vous êtes citoyen. Vous êtes du Congo central. Non, c'est ce que je dis. Toutes les déclarations que je puisse faire, c'est pour quel effet? C'est pour quel effet? Pour la cosmétique? Je n'ai pas cet âge-là. Si j'étais député, je porterais un choix sur l'un ou l'autre et je vous dirais, j'assumerai mon choix. Aujourd'hui, tout ce que je puisse dire, voilà, je voterai pour X ou pour Y, saurait quel effet? Pour amuser la galerie avec la presse. Mais quel est le témoignage que vous avez de Grâce Bilolo? Vous, personnellement, vous avez travaillé avec lui, le Dirkaba de Gubandou, il a été vice-gouverneur. Quel est le témoignage que vous avez de lui? Je sais que les deux, ils ont servi l'État. Ils ont eu des tâches spécifiques pour servir l'État. Ils ne sont pas là pour gérer leurs affaires, ils sont là pour gérer l'État. Et la gestion de l'État est normative. Il y a des normes. Voilà comment on gère. Voilà, il faut, quand il y a un problème, il faut réunir un conseil de sécurité. Vous ne pouvez pas vous départir de normes fixées par l'État. C'est comme ça. Et ça ne vous gêne pas qu'il soit gouverneur? Je n'ai pas une appréciation donnée parce que je ne suis pas député. Si j'étais député provincial, donc l'électeur du gouverneur, je viendrai ici, je m'assumerai pour dire, voilà, moi, mon candidat, c'est telle personne. Parce que j'estime que si elle est là,
Voilà ce que nous attendons. Voilà ce que nous pouvons avoir comme dividende pour la province. Maintenant, dites un peu, dans ma position ici, même si je le disais, pour quel effet? À mon âge, je ne peux pas venir me lancer comme ça pour la cosmétique, comme un petit enfant. Parce que ça aurait quel effet? Si je suis député à l'Assemblée, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais poser comme acte sera un effet. Aujourd'hui, je vais parler à la presse et tout ça. Bon, il y aura certaines personnes qui vont me regarder, mais c'est monsieur, monsieur là, avec sa grosse tête, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que, vous comprenez? Alors, je ne voudrais pas que, je ne voudrais pas donner cette image-là auprès des téléspectateurs. Mais il faut dire que l'avenir est Congo central, les eaux dépendre, la choix, oui, ça l'a mis de l'eau. Bah, député, bah, et bipolani, bah, ça qui va choix, non? Parce que, regardez, madame, à supposer que je sois en position, il y a qu'on critiquer décision, il y a bah, député. En rapport ou en fonction de telle ou telle personne. Comme je n'ai pas, comme je ne suis pas député et que j'ai échoué aux élections, bon bah ah, tu vois bien qu'à Kinshasa, c'est Congo. Moni Mutuana, Azajalou Nabiso, le Kola les Kakité, voilà comme, tu vois un peu là. Donc je suis surtout que je suis, je n'ai pas été élu, je suis mal placé pour porter un jugement sur le comportement des députés, parce que pour parler, il faut avoir la légitimité qu'il faut. Moi, j'étais aux élections, au national et au provincial. J'ai échoué. Je vais parler au nom de qui? Je n'ai pas de légitimité, madame. D'accord. Mais le rôle acteur politique, le rôle acteur politique, n'a rien à tous les gens à Kinshasa. Donc, au moins, ceux qui ont une candidature et qu'on l'équipe, tu peux bomber les torses. Je parle au nom de telle entité. Mais quand vous ne passez pas, ben attendez, on va vous dire, mais ces messieurs-là, ils parlent de qui? D'ailleurs, Azabi Pola. D'ailleurs, vous comprenez? Donc, vraiment, c'est un débat que... Normalement, le biatana, le bi 24 sur 24, ça n'aura aucun effet sur le choix des députés. Ça n'aura aucun effet sur la procédure judiciaire qui est encore en cours. Et donc, voilà. Alors, on va revenir. Mais pour l'UNC, je peux parler parce que là, j'ai qualité. Ma qualité, c'est quoi? Porte-parole nationale adjoint par la volonté du président de mon parti. Parlons. Mais pour parler de la province, parlons je suis très mal placé parce que je n'ai pas la légitimité qu'il faut. Parlons de l'UNC, on abordera aussi la question de changement de la constitution, mais on n'en est pas encore là. Oui. J'aimerais qu'on revienne sur le passé. Vous êtes passé, vous étiez à l'UNC, c'était à Nairobi avec le Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ils ont formé ensemble le CASH. Vous êtes convenus, il y a eu des accords entre vous, l'accord de Nairobi, est-ce qu'il existe toujours? Oui, il existe, mais il a évolué. Comment? Qu'est-ce que vous étiez convenu dans l'accord de Nairobi? Les points phares? Non, mais à l'état initial, on s'était convenu que d'abord, l'accord de Nairobi a été confectionné autour de la candidature, autour des présidentielles. Où on a eu en face deux présidentiables qui se sont convenus. Et au cours de leur convention, il y a l'un qui a mis ses ambitions en berne au profit de l'autre. Et je crois sont fait accompagner de leur parti. UDPS de l'autre côté, UNC d'un côté. Alors il était question que pour mieux mutualiser, il fallait que l'UNC, donc le président Vital Kamerhe, soutienne la candidature du président Félix au présidentiel et que après les élections la primature reviendrait au président Vital Kamerhe. Bon, les choses ne se sont pas passées telles que devaient se passer parce que la configuration politique n'était pas nécessairement favorable à pouvoir appliquer de manière intégrale les accords. Mais il y a eu des aménagements qui ont été faits. Le président Vital Kamerhe est allé à la primature, à la présidence comme directeur de cabinet. Bon, après, il y a eu ce qui est arrivé, mais ça n'a pas... Ça a égratigné quand même l'accord, enfin l'application de l'accord, mais ça n'a pas mis en poubelle l'accord. C'est ainsi que, bon, il y a eu toujours des aménagements qui ont été... Parce que dans l'accord, était prévu que le président Tshisekedi, Kamerhe, soutienne Tshisekedi en 2018 à la présidentielle, et en 2023, Tshisekedi soutient Kamerhe à la présidentielle, à tour de rôle. Oui, l'évolution de la situation... a fait que, bon, le président Vital Kamerhe pense qu'avec un certain nombre d'acquis qui revenait au président Félix de le soutenir pour qu'il puisse remplir. Et donc, je crois que c'est des aménagements
les hommes policiers peuvent toujours avoir. Ça a été le cas. Est-ce que Vital Kamerhe Bombi ambitionne pour la 2028? Tout en 2024. Mm. 2028, on ne sait pas encore. Les lots, je crois qu'il faut que nous dans l'Assemblée nationale, les lots, population Bazolinga, que guerre na est et si la population bazolinga qu'un certain nombre de problèmes gouvernement et bima donc je crois que ce tout focaliser situation il y a peut-être que oui qu'on a 2028 on va dire qu'on la population ne va pas trouver son compte. Mais au niveau de Nairobi, l'accord de Nairobi, vous êtes encore une fois mis autour d'une table ou ce sont la force des circonstances qui vous a imposé l'évolution des textes? Non, il n'y a pas imposition. Vous savez, il y a toujours des passerelles qui sont mises en place. Hein? Il y a toujours des passerelles d'abord entre les deux leaders et puis qui entraînent leur parti. Et donc, il y a toujours des cadres comme ça où ils débattent de certaines choses et pour pouvoir dégager justement les options qui soient que ce soit le plus valable pour tous. Non, en principe. Il y a d'abord, d'abord le pays en avant et puis après les hommes. En principe, 2028, l'UDPS est censé soutenir l'UNC à la présidentielle. C'est pas le cas? Ben, ce n'est pas mauvais, mais tout est discutable. C'est pas mauvais. Non, l'accord n'existe plus pratiquement. Non, l'accord n'existe plus à son état initial. Parce que son état initial prévoyait, par exemple, que le président Félix soutienne le président Vital Kamerhe en 2023. Mais ce n'est pas le cas. Mais on part toujours de cette base-là pour les négociations, pour les rencontres, tout ça. Donc, je peux dire que cet accord-là évolue. L'accord évolue. Il n'est plus à son état initial. Il évolue. Vital Kamerhe innocenté pour... Vital Kamerhe a été condamné à 20 ans de prison au premier degré. Deuxième, second degré, il est allé... il a interjeté appel. 13 ans, finalement, il a été acquitté. C'était un procès politique? Bon, c'était une loterie judiciaire. C'est une loterie judiciaire dans laquelle il s'est bien sorti. Dieu merci, puisque finalement... À la fin du processus judiciaire, je crois que tout a trouvé, tout a démontré qu'on pouvait l'innocenter. C'est pour cela qu'il est sorti. La loterie judiciaire, vous voulez dire quoi par là? Ben, un jeu du hasard. On veut calquer, on veut, comment je peux dire, on veut le choisir comme un cobaye. Hein, vous comprenez? Il était innocent. Pratiquement innocent. Ben, vous comprenez? Qui était derrière? Qui pouvait être derrière? Non, les ennemis politiques. Là, ce n'est même pas des adversaires politiques, c'est des ennemis politiques. Des ennemis, parce que les adversaires, on les a tous. On les a tous. Mais je crois qu'à un adversaire, on lui laisse un minimum de personnalité, parce qu'on peut s'en servir. Mais ce qui était autour de cette histoire, ce n'était pas des adversaires politiques, c'était des ennemis politiques. Dieu merci que bon il s'en est sorti et puis je crois que Dieu est avec lui. Vous avez dit que il s'en est sorti, mais dans l'opinion, Bikambo a 100 jours apparemment ici dans la noté plusieurs fois. Comment on a vu tel caméra sur le terrain et même dans le parlement, Batbazoko Bako Kanisaka Bikambo a 100 jours. Ouais, mais tout. Et ses attachés que l'on a raté dans la vie politique n'aille. T'es au moins ce qui va toi qui la manœuvre et qui va monter qui va échouer la manœuvre là, vous pensez bah au tika nuki t'es, vous comprenez? Donc Ezali vit Ezali normal, mais question Ozala na comment je peux dire Ozala conscience na Ozala calme, question Ozala na conscience na Ozala calme, puisque toujours banalinga là. Ce qui est le bien au Oibi et que la conscience n'a Oibi que Oibi t'es. Est-ce qu'il faut que nous allons là-bas toi? Parce que bon, Moussa n'a pas besoin que Yakoloba. Yo Moussa là nous a au Tambola. Ce qui à chaque fois tant que nous tons en dako na yo, chaque fois nous comme quelle est nacé. Est-ce que aussi ils sont dako? Aussi sont dako t'es? Yo continue Moussa là et Moussa là y a plus. Mais comment le balbi tu n'as 100 jours bon goana tire l'eau Moussolana. Et qu'est-ce qu'il y a? Ben alors... Bah, il y a des sous Bima, bah, procès, et ça, les mains, si ma baza innocente, bah, on y en sort. Ensuite, bon, mon anate... Tete, madame. Problème, il y a 100 jours,
c'est que ne baba ka surchauffe ba pelis sa ki kaka moto pour na kola ki sa bino que problème il y a 100 jours vous comprenez ezali batonde ba ba koti sa ki pistol bananga la diabo hein ba diaboliza ki programme il y a 100 jours parce que na 100 jours wana na programme na 100 jours ba réalisation o ebanda ko salima ezalaki que bazomo na que ce qui pas continuer dans le programme on a 100 jours il n'y a que effacer ba réalisation ya batimso o ba sala yango na mikolobe et puis programme nyo 100 jours et soit 200 je crois 257 millions de dollars programme nyo 100 jours c'est pas plus de 400 non pas plus de 400 plus de 450 le projet en initial c'était mais c'est que sorti 400 millions de 400 millions 200 plus ou moins 257 millions je crois. Il n'y a pas programme à 100 jours. Il n'y a pas de mouton. Il n'y a pas de banzela. Alors que, il y a un bon peut-être un projet, un projet, un projet, un projet, un projet antérieur. Mais le programme à 100 jours, il y a eu beaucoup plus de réalisations. Et je, comme la journaliste, je crois qu'à la veille, il y a l'élection, chef d'État, il y a que, ça n'a même pas enquête. Programme Wana ya 100 jours en termes de réalisation, plus ou moins 83% à réalisation. Il y a ce qui est moins non, à même le bilan à 83%. Ce que vous gagnez, vous avez alors que vous avez 83% de réalisation. Pendant qu'on a vu, on va dans certaines villes, telles que Mbujima, et on a vu des maisons abandonnées. Beaucoup de maisons abandonnées. Bon, le programme. Là, on a fait arrêter le pauvre. Parce que quand on dit 83%, ça dit 17% de solitaire. Peut-être que ça en compte à 17%. Parce que pour le bon, il y a 100%. Vous comprenez? Peut-être que Tikal a 17%. Le ben, problème à ma maison, je crois que vous êtes journaliste. Comment comprendre que le conteneur est un matadi? Le conteneur est un comité d'arrêt salam. Le gouvernement est un comité d'arrêt salam. Il y a un comité d'arrêt. Pour que batonga banda kouana, il y a militaire, bah policier tout ça. Mais batwaza d'abord un bah bloqué, bon bandi ko sambi sabat tout ça. Non, bandi ko sambi sabat tout. Alors que bah conteneur zawana, qui a bloqué? Mais Nabi, je vous ai bien dit encore, ça a été l'œuvre des ennemis politiques. Qui avait le pouvoir à l'époque? Parce que c'est lui qui est censé bloquer, c'est celui qui a le pouvoir. Non, des ennemis politiques, mais justement qui ne voulaient pas que le chef de l'État actuel puisse réaliser ce genre, tous ces projets-là qui avaient été mis en place. Qui avaient le pouvoir, les ennemis politiques. Ben, les ennemis politiques, ils peuvent avoir du pouvoir apparent ou non apparent aussi, on ne sait jamais. Et puis en plus, ne vous en faites pas, il y a aussi un fait qu'il ne faut pas, oublier. C'est qu'autour des grands, hein, il y a toujours des forces centrifuges qui s'entrechoquent et tout ça. Donc, tous ces jours-là aussi. Donc, voilà un peu comment on peut dire. D'accord, je crois qu'on peut passer cette étape. J'espère que je rencontrerai vos préoccupations. Alors, changement ou modification de la Constitution, quel est le point de vue de l'UNC? Non, notre point de vue, c'est-à-dire que, en termes de postulat, une constitution, c'est une œuvre humaine. Toute œuvre humaine est perfectible. Donc, je crois que si on doit rester méthodique, à l'heure actuelle, le débat qui se... Peut-on, oui ou non, changer la constitution? Je crois qu'il y a parfois certaines choses qui dérangent quand même. Je pense que, bon, je crois que 18 ans après, il y a toujours moyen de pouvoir réadapter. Tout ça. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Vous venez de parler des élections des gouverneurs. J'avais vu un message d'un président de l'Assemblée provinciale qui était en train de parler parfois du processus d'élection des gouverneurs et tout ça. Réfléchissons un peu. Si une élection de gouverneur peut nous amener à tout ça, si un gouverneur pour passer,
doit engloutir 2 millions, 3 millions de dollars, par exemple, en termes de campagne. Mais quand il arrive gouverneur, il doit récupérer cet argent-là. Mais pour s'il veut redevenir demain, il doit mobiliser encore. Peut-être il va monter la barre haut, 4 500 000. Donc, je prends comme ça, à l'absurde, 7 500 000 dollars, 7 500 000 dollars qui doivent d'abord aller pour la campagne des gouverneurs. Parfois, c'est 20 députés, parfois c'est 30 députés, tout ça, qui doivent engloutir cet argent. Mais 7 500 000 dollars en termes de routes de desserte agricole, combien de kilomètres qu'on ne peut pas aménager, par exemple. Je prends un cas hasardeux comme ça. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il faut encore aller vers les élections des gouverneurs? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réfléchir sur cela? Un petit sujet, hein, qu'on peut laisser au débat. Mais je crois qu'à ce moment-ci, on n'est pas encore à ce débat technique sur les différents articles qu'on peut aménager. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord. Vous êtes partant pour cet exercice-là? Non, mais moi, je me dis que la Constitution étant une œuvre humaine, elle est perfectible. On peut toujours l'adapter, tout ça. Tu sais qu'il y a un troisième mandat, votre point de vue. Si, effectivement, il changeait sa Constitution, il revenait pour un troisième mandat. Non, là, vous entrez dans le fond. Ça, c'est ce débat que vont s'inviter. Parce que d'abord, l'Assemblée nationale n'est pas encore mise en place. Enfin, je crois que les 18 ici. Après, il faut que les travaux commencent. Et puis, je crois qu'on doit rester méthodique. Doit-on modifier la Constitution? Les débats qui doivent d'abord s'inviter maintenant. Doit-on modifier? Peut-on modifier la Constitution, oui ou non? Si on reste là, oui, et puis après, les différents articles, qu'est-ce qu'on peut modifier? Et là, ça va faire l'objet de débats. Et je crois que vos différentes chaînes vont s'ouvrir justement pour qu'on puisse rencontrer les déserteurs des uns des autres. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces débats, il y a par exemple ceux qui ne sont pas dans les institutions, mais qui réagissent. Donc vous, à votre niveau, vous n'y voyez pas du tout d'inconvénient qu'on puisse toucher à la Constitution? Qu'on puisse se réadapter. Qu'on puisse se réadapter. C'est toujours possible. C'est un débat qui peut s'inviter. Après, je crois que là, on s'en tient d'abord à cela. Il faut que les gens se mettent d'accord, puisqu'il y a encore une controverse autour de ça. Il n'y a pas encore unanimité. Est-ce qu'on va se mettre d'accord, tout ça? Et quand on va arriver à cette étape-là, c'est à ce moment-là qu'on va donner les différents inputs. Qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on ne peut pas modifier et tout ça. Donc voilà. Et puis, mais, tout en sachant quand même qu'il y a des articles qui sont verrouillés par la Constitution. Et je crois que... Vous n'êtes pas partant pour la révision de ces articles-là verrouillés? Ce n'est pas moi. L'UNC, pas non, la Constitution. Non, non. Donc, la Constitution a verrouillé, de la même manière que la Constitution a ouvert les portes pour sa modification, mais au même moment aussi, a verrouillé certains articles. Donc, quoi, José, tu dis que tant que je levais les comités de constitution, tant que je levais les comités qui tient en place mission moko, organisation moko pour la quota, la commission plutôt, pour la quota, la copé sa RDC, pour réfléchir, pour la copé sa RDC, constitution moko et zadine, les lots au lobe la cosimba moke pour la kobongisa. Est-ce qu'il faut changer totalement après 18 ans en constitution à Bissot, topé Fokota, la caca, Pablo Kamiké, Miké, qu'on modifie Ndengolobi? Non, mais on ne va pas partir. Parce qu'il faut changer totalement, ça veut dire qu'on doit repartir à zéro. Non, comment on va repartir à zéro? Puisqu'il y a déjà que. Le document de base, c'est la constitution actuelle. Donc il faut réaménager, il faut la modifier. Donc la modification. Mais c'est pas interdit. Il y a le bakaka que non. Adaptons-nous au contexte. Parce que 18 ans après, Tokoyi a remarqué, ils ont permettre, ils ont alourdir peut-être machine et tout ça. Comment Tokoyi ça la peau n'a quoi assouplir et tout ça. Je crois que Wana et qu'on s'invite débat pour que. Mais l'UNC, vous êtes opposé en 2000,
je crois en 2014, 2015, quand il y a eu cette envie-là. Dix ans après. Cette envie-là de la majorité de l'époque, soutenue par le président Kabila, l'UNC était aussi dans l'opposition. Vous vous opposiez à ce qui est touche à la Constitution. Qu'est-ce qui a changé? Non. D'abord, regardez. Il y avait déjà une première modification qui s'était faite en 2011. Parce que la Constitution était de 2006, 5 ans après, on a modifié. Oui. Bon, il fallait quand même laisser un peu plus de temps pour avoir la retoucher. Mais en plus, quand on parle de 2014, en 2024, ça fait 10 ans. Donc, il y a certaines évolutions qui peuvent nous interpeller tous. Vous pensez que c'est le bon moment? Mais maintenant. Oui. Autant l'UNC qui était à l'opposition est en train de... avait refusé la révision de la Constitution, autant aussi le PPRD qui aujourd'hui est à l'opposition refuse la Constitution. On ne parle pas du PPRD, on parle de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé à évoluer? Le temps. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous poussait à refuser aujourd'hui? Le temps, c'est pas compliqué, le temps. De 2014 en 2024, je crois que 10 ans sont passés, et donc peut-être on peut avoir remarqué certaines lourdeurs qui puissent nous amener à tout ça. Mais attendez. Jusque-là, si on doit rester méthodique, jusque-là, il faut qu'on se mette d'accord d'abord, ou peut-être si on peut rechercher le large consensus sur l'option de modifier la Constitution. Je crois qu'à un moment, il y a des gens qui n'en veulent pas encore. Le débat aujourd'hui, il s'invite d'abord à ce moment. Maintenant, pour aborder votre deuxième sujet, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit modifier, ça c'est le deuxième débat. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire, nous devons modifier tel article, mais si on ne modifie pas aussi, on ne se met pas d'accord sur la nécessité de modifier, quelles que soient les évocations que je puisse émettre ici, ça sera superfétatoire. Commençons d'abord à nous mettre d'accord. Pour savoir qu'une constitution, c'est une œuvre humaine qui peut subir des modifications. Si on se met d'accord, à ce moment-là, les uns les autres vont aller et tout ça. Donc moi, je crois que si on peut rester méthodique, aujourd'hui, nous disons que la constitution étant une œuvre humaine, elle plaît perfectible. Pour preuve, madame, je crois que la majorité des Congolais, nous sommes des chrétiens. Même la Bible a plusieurs versions, alors que c'est la parole de Dieu est immuable. Mais il y a plusieurs versions. Vous voyez, a fortiori, une œuvre humaine. Alors, vous comprenez? Mais maintenant, celui qui amène sa version dans la Bible, alors que je crois que tout est centré sur l'amour du prochain, sur l'amour de Dieu, tout ça, si quelqu'un vient et qu'il favorise, par exemple, la mort, et il encourage la mort, il encourage... Ça, ce n'est plus la Bible. Ça, c'est au fait, la Bible déjà verrouille son système, ses fondamentaux, il parle de l'amour. Tout livre qui ne parle pas de l'amour, du prochain et des dieux, ne fait pas partie de la Bible. Donc voilà, enfin pour dire, comme missionnaire toba chrétien et tout ça. Donc même Oyoba Sala Nzambe, Oyoba Lubela Kamakama Nzambe, ils ont la version. Il y a deux options. Oui. Soit on change. Ce qui veut dire, on fait table rasa, soit on modifie, touche quelques articles seulement, mais le fondement reste le même. Ouais. Autour de quoi devons-nous discuter? Autour du changement ou de la révision? Bon, moi je crois que autour de la révision. Pas du changement. Oui, mais parce qu'il y a déjà un travail de base. Vous voyez, mais en plus, je crois que logiquement, même techniquement, on ne va pas tout changer, parce qu'il y aura toujours un élément de référence. Et à l'heure actuelle, l'élément de référence, c'est la Constitution en place. En plus, pourquoi on va faire table rase? Parce qu'on n'est pas une autre République. On peut réviser, on peut revoir pour adapter. On peut comprendre, par exemple, en 2001, nous sortons d'une situation post-conflit, qui n'est pas la même configuration aujourd'hui. Donc, pour moi, je pense qu'on peut toujours réadapter, on peut toujours réviser, surtout que... Les articles verrouillés ne sont... qu'on n'y pense pas, hein, ça serait énervé.
énerver une... Je crois que les articles verrouillés ont mis toute la classe d'accord depuis jusque-là. Et ça n'a jamais fait l'option de récrimination des uns ou des autres. Non. Jusque-là, je crois. En tout cas, je n'ai pas entendu qu'il y ait des voix qui s'élèvent pour qu'on puisse déverrouiller les articles verrouillés. Vous avez entendu ça de qui ? Jusque-là, non. L'opposition est au quoi qu'ils aient, le président Tshisekedi du Code Sim, pour Lukaku Simba, constitution, parce que ça n'a pas ça s'éterniser dans le pouvoir. Madame, ils ont le rôle d'abord. Il y a Koubang, puis il y a Koubang. Nous, on a fait ça pendant longtemps. Rôle Nabiso, ils allaient à calmer Bango, puis qu'on calmer Bateau Bazobang. Donc, ils sont dans leur rôle. L'opposant, surtout en Afrique, ouais, initiative, mon côté, au pouvoir à représenter, c'est normal. On ne va pas les lapider pour ça. Biso Togozalate, Neti, Baninga Nabiso Bazaki, on a Bazaki, on a arrogance, belé, condescendance, et tout. Non. C'est pas comme ça. Le temps a évolué, madame. Ils ont peur, c'est normal. Nous, en tant que dirigeants, c'est que, puisqu'on dirige et le pouvoir et l'opposition, même au Bazobang, le rôle du pouvoir, c'est de pouvoir les sécuriser. Maintenant, tant que nous avons un débat sur la constitution, okay, sur la disposition, nous avons un débat. Non, voilà le terme. Tant que nous avons un débat, on va en tenir compte. Pour na kimia ezala namboka. Hein, donc voilà. On va pas être arrogant. 2000 bah, arrogant c'est belé. 2028, non, on va pas. 2028, non, on a retenu la leçon de leur arrogance et je crois que il faut toujours se servir il y a expérience il y a cala. D'accord. Le pouvoir passe. Zomona. Bato bandai ko bazaki na arrogance c'est belé. L'autre comme comment on a le pouvoir passe. Donc biso toko rééditer te oh bon ba no sala. Bazobanga, c'est normal. D'accord. Va présenter ma préoccupation na bango, je crois qu'on va les intégrer pour que Kimia ezala parce que Congo bazan a besoin ya Kimia. Bazan a besoin ya ba ego ya mutu na mutute. Ngai nazabu inga nazabu. Le Congo n'a pas besoin de ça. 2028. Tant bazan ba que quelque part constitution ya ko. Ça qui manque en tambola ndenge longo banité ba mibeko ba texte na biso eza moins compliqué, ils ont empêché fonctionnement normal ya l'état. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, ils en ont pas pour 10 ans ou 18 ans après, tu connais qu'on remarquait moi ma faiblesse mon application il y a constitution. Moi lourdeur wana et quoi qu'on na expérience na biso à 18 ans et quoi qu'on permette justement tout ça moi ma input mon boyer pour que toi alléger voilà un peu et ça Vital Kamerhe il y a des ambitions a eu des ambitions présidentielles en 2011 ouais. Il a été candidat ouais. Troisième ouais. 2018 il a été candidat mais il s'est désisté ouais. À la dernière minute ouais. 2023 il n'a pas postulé ouais. Il a soutenu Félix Tshisekedi ouais. 2028 Tshisekedi n'est pas là ouais. L'UDPS est là, l'Union Sacrée, vous êtes tous là. C'est quoi le scénario qui peut se... C'est quoi le scénario possible pour... Non, mon ami, vous savez, ce que Dieu prévoit pour chacun de nous, personne ne peut le contourner. Ce que Dieu a prévu pour lui, personne ne le sait. C'est pour preuve. Il avait des ambitions pour être président en 2018. Mais comme Dieu ne l'a pas prévu et que dans sa prédestination, il a été question qu'il réalise son destin pour Félix Tshisekedi, c'est lui qui est devenu président. Autant en 2023. Maintenant, si dans la volonté de Dieu, il est prévu que Vital Kamerhe soit président à un moment donné, personne ne le Mais maintenant, ceux qui ont ambition, ils sont hypocrites. Tu ne peux pas venir en politique sans ambition.
madame, je voudrais tous à la simple. Même dans l'église, moto ya kan église aux ambitions té alors. Yeb oyé na église au bani na choriste. Après au côté na nani na au comme intercesseur. Après intercesseur au comme évangéliste. Évangéliste au sein de l'église. Tu n'as pas d'ambition. Et à forcerie, c'est que temporel, au web, ça ne va pas dans l'ambition. Non. Tous les politiciens que tu vois, même moi, à commencer par moi, hein, je veux, pour la mettre à l'aise, même vous, tel que vous avez des ambitions, madame. Ambition, oui, mais pas ambition démesurée. Bon, alors maintenant, qui parfois tout... empiète sur le fonctionnement de l'organisation. Ben, il faut donner des exemples. Donc, les ambitions, on les a tous. Il y a le destin, il y a le plan de Dieu, il y a le temps, il y a beaucoup de choses. Mais aussi, il y a la vie de la... Tu ne peux pas freiner la vie de la nation parce que yo zan a ambition na yo. Ndakisa, oh, ezo sa emalelo na Assemblée nationale. On a comme l'impression que Présidium na oh, si kan de Kofitel Kabir Azali, ba zwimbo ka ba zu Assemblée nationale en otage. Yo zan eza ambition. Zela zan a elo komo boye yo, on a ko risé ko chapon parce que lobby que non, président Vital Kabir bato a banga kaye, parce que ba zo redouté ka koye ko zala opposant et tout ça. Mais madame, en ce qui concerne le président Vital, ni n'a pas le bas qui était. Tant qu'on a déjà directeur de cabinet, il y a un moto. Tant qu'on continue la prison, il y a un moto. Tant qu'on a un côté en opposition, il y a une rébellion et tout ça. À quoi soutenir le terme de 2023. Mais encore, parce que ça, vous ne le dites pas. En 2023, déjà, non. Vu Oyo Sali, vu. Il faut te soutenir. Peut-être que les gens n'attendaient pas ça. Ça, vous ne me dites pas. Parce que bateau, banol ou bakenon, faites attention. Tout ça, voilà, il va faire ceci, tout ça. Et tant qu'on coûte dans la prison, en coûte dans l'opposition. Ah, ça, vous ne le dites pas, madame. Mais pourquoi cette agitation de sa part, après les élections, il se met avec les autres pour dire nous faisons une force politique. Pourquoi cette agitation pendant que nous avons déjà, le présidium, il va se mettre avec les autres, les AAB, les AB50. Bon. Tout dépend du terme que vous l'utilisez. Vous parlez d'agitation, moi je parle d'organisation. On va l'empêcher d'être organisé politiquement. Parce que quand on met en place une législature, il y a toujours des organisations qui se font. Lui, déjà, l'UNC avait 33 députés, mais c'est toujours important de pouvoir mutualiser les efforts. Et tout ça au service du chef de l'État. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, en tant qu'autorité suprême de l'Union, il a besoin qu'il ait avec lui des forces nécessaires pour lui permettre de bien l'accompagner. Alors que nous, parce que nous avons plusieurs défis. Au niveau extérieur, nous avons des défis de la guerre, de plusieurs défis. Et donc, le chef de l'État, il doit être accompagné des forces politiques nécessaires pour pouvoir l'encadrer. Mais n'oubliez pas aussi qu'à l'intérieur, à l'interne, il y a l'opposition qui doit nécessairement chercher peut-être à s'organiser. Mais pourquoi voulez-vous que la structure qui accompagne le chef d'État ne puisse pas s'organiser? Et donc, quand vous parlez d'agitation, je vous prête ces mots, mais permettez... C'est vos opposants qui le... Au niveau de l'Union sacrée. Mais la question, c'est qui se pose. Par rapport à ceux qui veulent s'opposer. Parce qu'il y a des gens qui s'opposent par principe. Hein? Il y a des gens qui s'opposent par principe. Maintenant, pour ceux qui veulent s'opposer, nous leur disons que ça, c'est l'organisation. On ne peut pas reprocher aux gens de pouvoir s'organiser. Vous organisez, comme l'a dit ma consoeur, en prenant en otage, comme on vous accuse de prendre en otage le fonctionnement de tout un pays, le présidium de 6 personnes. Ça fait bientôt 4 mois qu'il n'y a pas de gouvernement et que des conciliabules autour. Mais finalement, ça va prendre combien de temps? Vous décidez sans que vous consultez le regroupement de Moussous dans la Union sacrée. Présidium, il y a un moment où il est décidé. Oh, les Kinangai, oh, Mwananangai, oh, Moussous. Et Tikali Bongolelo, élu du peuple, il y a un moment. Est-ce qu'une des Kofitel Kamer, ou Aponama Kina, na primaire à Salimabé Kokota Nesika, est-ce que Kokouté et Sikane était le quoi président de l'Assemblée nationale? Et jusque là, position président Vital Kamereza na discussion t parce que yé andima ki kokene même na ma primaire wana a remporté qui face yaba kulutu na
Mais je crois qu'à partir du moment où on a remporté ma primaire, voilà, rôle n'est pas le rassembler. Alors, dans la liste où il y a dernièrement, alors, écrit à qui moi, bah, nous. Je crois que ça a ouvert la porte peut-être dans ma solo, puisque nous sommes en politique, tout et tout. Bon, je vois que la liste définitive où il va présenter qui lobby, et ça, va participer à ma mission, on a tel poste. Mais je crois que c'est tout ça, c'est pour enrichir simplement la démocratie. Plus de 200 députés nationaux qui sont contre ce ticket-là de l'Union sacrée. On parle de tribalisme, de népotisme, de clanisme. C'est sérieux tout ça. Pourquoi on trouve certains membres de famille, des membres du présidium au sein de... Il y a pas, dans leur famille, il n'y a pas d'autres personnes? Bon, je vais être séquentiel. Hein. D'abord, ils n'ont pas récusé toute la liste, ils ont récusé certaines personnes. Peut-être qu'ils ont leurs éléments. Mais non, vous dites, est-ce que il n'est pas, ou dans nos partis politiques et tout ça, pourquoi c'est seulement la famille et tout et tout? Moi, je crois que je vais situer ça à deux niveaux, puisque j'ai dit que je vais être séquentiel. Ceux des familles qui militent, ok, qui militent, ont aussi droit à pouvoir bénéficier des avantages des partis s'ils militent. Je dis bien qui militent, ils sont dans leur parti. Mais non, au même moment, il ne faudrait pas aussi laisser ceux qui ne sont pas des familles qui militent. Donc, je crois que tout ça, on ne va pas exclure les gens parce qu'ils ne sont pas de la famille, ok? Mais il ne faut pas aussi exclure les gens parce qu'ils sont de la famille. Je crois que il faut que les choses soient d'une certaine équité. On met son fils, on met sa soeur ou sa femme. C'est quel est l'exemple qu'on renvoie? Bon, si le fils milite, on va pas l'exclure parce qu'il est de la famille. On doit se mettre d'accord quand même. Si, je dis, hein, si le fils milite, on va pas l'exclure par le fait qu'il soit de la famille. Parce que sinon aussi, je crois que même dans nos partis, qu'est-ce qui va arriver? Ah, mais Bango, président de la Bango, papa de la Bango, Zana, mais Baraka comme il était. Ça peut être encore un autre débat. Mais aussi, il faudrait privilégier la méritocratie. Donc je crois qu'il faut quand même, maman, Ndenge Balobaka na Lingala, puisque opposant question na Lingala. Faut la maille, faut la foufou pour être batté, quoi. Voilà. Donc, je crois qu'il faut toujours des amortisseurs, des aménagements pour ne pas fragiliser votre propre personne en tant que leader, mais pour ne pas aussi fragiliser le parti, parce que si les gens se mettent en tête que, bon, place Wana, Ezakaka, peut-être la famille et tout ça, vous allez voir que ça risque de vous fragiliser vous-même. Donc, je crois qu'il faut savoir aménager le chou et la chèvre. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas imposer, mais commettre un peu de l'ordre par rapport à l'ambition de l'équipe qui est déjà dans la primaire, où il y a une caméra qui est dans la bande de commissaires, il y a un service, il y a un chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi a joué dans la démocratie? Madame, les premières intentions sont toujours les plus naturelles. En fait, est-ce que le chef d'État a s'imposé? C'est ça, les premières intentions sont toujours les plus naturelles. Il y a que le chef d'État a s'imposé. Ce qui a s'imposé, non, voilà, c'est un dictateur, il est ceci et tout ça. Bon, moi je crois que Moutoula Moutouazan a un style à imprimer. Ce qui est vrai, ou ce qui est quand même bien de l'eau, peut-être que tout comme qu'on est vers une issue, ils ont favorisé déjà que ma voix est élevée, je crois que ma yoki va mot, ok, et que n'a pas posé aux acquis récusés deux trois personnes, comme aux banalingala. À partir du moment où tout ça, maintenant, démocratie comprimée, bateau va récuser qui bango, pas qu'il n'a pas élection,
ce qui va continuer à récuser bango bango na keno ba toana peut-être ça prend plus de temps depuis janvier l'autre zana na mai alors que la population a souffrir ma bezo tambo la mala moto na comme l'impression que mbokeza et vandi et si comme moko ezo tambo la lolenge longo banité ben oui c'est quand même à déplorer alors je crois que même sur le plan politique il faut vider contentieux électoral nyonso tu vois tant baba na cour d'appel les simité baké na cour ya donc tu vois un peu possession ça peut ça nous prend un mois deux mois tout ça bon tout ça aussi c'est quand même un problème effectivement ça là que la problème n'est pas lobby il y a population bah qu'on va la monoquiter parce que ça va vider contentieux je crois même pour nous dégager majorité tout ça il faut pour nous la sûre il faut vider contentieux nous saute et ça alourdit quand même un peu aussi. D'accord. Donc, c'est l'un des points au bazo relevé auto qui de la constitution okay. Ouais. Vital Kamerhe candidat unique quand il n'a pas de concurrent c'est-à-dire que c'est une carte blanche il sera effectivement on l'espère qu'il sera vraiment effectivement élu parce qu'il est le seul candidat. Mmh. Mais dites-nous, on a connu des présidents de l'Assemblée nationale dans le passé, on a Mbosso, on a connu Boshab, on a connu Minaku, même Kamerhe, c'est sa deuxième fois qu'il sera. Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il compte apporter de nouveau à la tête de l'Assemblée nationale? Oui, vous avez dit, Kamerhe candidat unique, précisé, après les primaires. Parce que au départ, il a fait face à deux autres candidats, le président Bahati et le président Mbosso. Donc, oui. Candidat unique après les primaires. Donc, je crois qu'il est Azaki déjà, hein, il a déjà passé cette étape-là. Alors, qu'est-ce qu'il va apporter? Déjà, le président Vital Kamerhe. 15 ans après, il n'est plus la même personne. Je crois que c'est ça s'agit davantage. C'est un homme beaucoup plus d'abord qui a pris de l'âge par rapport à hier. C'est quelqu'un qui va amener un peu plus de sagesse. C'est quelqu'un qui va amener son expérience. Parce que après là, il est passé à l'opposition, donc comme il était écoute de la population, mais tous ces parcours-là dont vous allez parler, tout ça, mais son parcours professionnel, son parcours politique, c'est une expérience, ça l'a guéri davantage. Donc là, il va amener son expérience, il va amener sa touche. Déjà que hier, les gens, même la population, avait toujours reconnu, le travail qu'il a abattu à l'Assemblée nationale. Et donc, je crois qu'il va rééditer l'exploit, mais avec une autre touche, son expérience, son âge, donc un peu plus de sagesse, mais aussi ces éléments-là, mis en place, vont militer pour la stabilité des institutions. Je crois qu'on est en train d'installer les institutions. Il y a déjà le président de la République qui est là, qui a prêté serment devant le procureur, devant la Cour constitutionnelle. L'institution est déjà mise en place, la deuxième institution qui va être mise en place, je crois que l'Assemblée nationale va être mise en place. Donc, il va amener sa touche pour l'équilibre aussi des institutions, la stabilité des institutions. Je crois que les Congolais ont besoin aussi des gens de cette trempe-là, cette carrure, cette trempe, pour pouvoir militer la stabilité des institutions. Il ne sera pas gênant hein, pour le chef de l'État. Mais en quoi peut-il être gênant vis-à-vis du chef de l'État à partir du moment que la Constitution a fixé les règles du jeu? Il y a déjà la séparation de pouvoirs et je crois que c'est même en termes de hiérarchie, le président, il est là, c'est le garant du bon fonctionnement des institutions, c'est la Constitution qui prévoit, ce n'est pas discutable. Et l'Assemblée nationale légifère, c'est le pouvoir législatif. Donc il y a la séparation de pouvoir. Il n'y a pas de télescopage, que je sache, entre les institutions. À partir du moment que c'est réglementé, c'est réglé par politiquement, par la Constitution.
Sinon que si, bon, c'est pas les journalistes ou peut-être des autres, on cherche toujours des poux sur les cheveux, même des chauves et tout ça. Mais je crois que si on reste, on reste normatif, il n'y a pas lieu à ce qu'on puisse avoir des télescopages. Vital Kamerhe alaki ko zongisa démocratie, ndenge ezali na temple na yango na assemblée nationale, même tout na tout problème monsieur Chezali qui tant que na présidence et bisi biso matisa qui salaire ya batu tant na zalaki bisi kana soit le cas après ça toujours ba salaire ébélé alors que na assemblée nationale déjà batu ébélé ba ndé côté mais bazo senga réduction de train de vie ya ba institution sika wa ya zo kota lisusu na bureau est-ce que kozala sous problème mon côté pour na ndé kombo so azo bima to ki déjà ndungu ndungu non ba salaire qui 1 milliard na Vital Kamerhe ozala somo te bongo po ya ka ko ba ki sambongo Base à la précarité. Il faut qu'on paye ça au minimum voulu pour que ça représente quand même à mais bongo oyo bazo sala ya l'État, il faut nde esser. Bongo oyo zo sa oyo ya ebele. Il faut esservir nde na population. Mais tout le monde que non, bon voilà, nenge za boye, ba député par exemple, base à la mito kate. Ou ba ministre batambola kana ba vélo. Tu l'as bien ngoté mais partage équitable il y a bongo il y a richesse il y a mboka. Je suis d'accord avec vous. Donc il faut que ça la arbitrage nous soit là pour que population intérêt général. D'abord intérêt général, population a se retrouver dans nous et puis wana mususu et quoi. Puisque vous êtes de l'INC, Bandi Michel Zoxi là déjà, nous avons une chance à rejoindre des cocamérités prochainement peut-être. Bilan na e na to et le moni ya tiki na ministère économie. Bon, le ministère économie a saillé combien de temps? Oh, il y a le bac qui a zo qui tisse un bon go a ya qui a ekna ma discours hein? Et puis il y a le bac qui toko. Ah bon, alors maintenant madame na sepe de mingindé na zana yo. D'abord, aux journalistes, ils ont dit que le discours de Alobaki qui a okit sambon, ils dit que c'est faux. Il n'a jamais dit ça. Alobaki a un camp. Les âmes, ma solo, il y a pas là-bas. Non, il a dit. Attendez, oui. c'est pas compliqué, madame. Les âmes, ma solo, il y a pas là-bas. Parce que stabilité, il y a monnaie, ils ont dépendu de thé, dans le ministère de l'économie, ils ont dépendu dans le ministère de la finance. Mais en plus, stabilité, il y a monnaie, et que stabilité, il y a monnaie, et que à partir de la production. Mais celui ton produit, tes habitants, les années. Qu'est-ce qu'il donc, lui a apporté au ministère de l'économie? C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Moi, je veux parler. Il a joué son. Non, il a fait quoi? Vital Kamerhe, il faut pas. Ou le ministère de l'économie, il faut pas l'isoler par rapport à la politique générale du gouvernement. La politique générale du gouvernement qui est mise en place par le Premier ministre et au-dessus, il y a le chef du pouvoir exécutif donc, qui est le chef de l'État. Donc, ce que le gouvernement a échoué, Vital Kamerhe et Batonion se va échouer. Bon, ce qui va échouer, va échouer dans le secteur ni. En ce moment-là, on ne va pas, puisque aux journalistes, on répond de globalement. Puisque l'économie est au tambolaté, mon solo est compliqué. Il y a un peu de temps. 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 Oui. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a la stabilité. Il faut tout produire. Il faut tout zonger la production, madame. Il faut tout zonger la production. Est-ce que c'est normal que les lots. Bilo konyo so oyo tozo lia mingi ezala to bingi sango adayeur ba loso, ba masango ba madesu. Mais on va vous retourner la question parce donc, que le chef de l'État avait dit en 2021 qu'il y aura la revanche du sol sous le sous-sol. Alors, mais en 2024, trois ans plus tard, non, Union Sacrée, qu'est-ce que vous avez fait? Non, mandat, il faut qu'on s'en va réformer, tout ça. Je crois que maintenant, le gouvernement, ils ont se mettre en place.
faut maintenant doser là différentes réalisations au Salah, notamment. Et même dit au début de son mandat que l'agriculture est la priorité des priorités. L'agriculture. Voilà. Et maintenant encore, le gouvernement qui va être mis en place va avoir comme priorité l'agriculture parce que. De convidal caméra écoute aya qui n'a ni comme masango a kilo comme masango taï na ma graine na kilo na suite na ngwezani. Non, ce n'était pas ça. C'est là là. Ma problème en sangue est à Kiboué, madame. Heureusement qu'on est journaliste. Le problème en sangue est à Kinderine. Il est à parti à crise et c'est là qui est à Katanga. Oui. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Ma sangue est à mon entier à Katanga. Maintenant, comme production est à la quitter, Bakena Zambie avec une délégation interministérielle. Ils ont été montés par le ministre du commerce extérieur et tout Bakena Ekuna. Pour bakuta na ba agriculteur na ba opérateur na secteur wana ya agriculture notamment masango ba ebisi bango bokoki koyena masango et biso to faciliter bino tâche notamment ba exonération, OK, et ce qui a été fait exonération pour que bakota na masango awa na katanga et ça a été fait. Le vice-premier ministre chargé de l'économie a signé qui a pensé qui instruction n'a pas service news il y a douane il y a contrôle et tout ça masango na ni et ben quota 100 francs, OK, pour nous permettre justement pour nous prolonger la crise et ça mesure incitative pour que masango et comment et bien je crois que crise où ils allaient qui wana on dit quand même que makeli les nungu ils allaient sauter mais en définitive on les a pas solution de babaka à court terme mais à moyen et à long terme il faut que toko kabiso mokokolo na masango parce que ba terrain ma belle ou ya kolona masango ils allaient et belle ils allaient masango ils allaient l'eau ceux allaient quand l'eau sur notre banolo na on a bumba on a regardé l'eau sur bumba et ça la nage quoi na même na chez les batetés là-bas, ballon à Rapelos. Congo central, ici aussi, ballon à Ralos. Donc, bas terrain, il y a Colon à Baloso, Bamassango, Batou, Ezali et Bélé. Donc, je crois que à long terme, à moins et à long terme, Ezali que Bissot Mokoto s'est lancé vers la culture ouana pour nous résorber la crise alimentaire au Tosanamo. Le projet est mis en place pour nous mettre en place suite à nous. Non, suite à nous, mais madame. Il y a un léger problème. Vous êtes d'accord, non? Oui. Maintenant, on est acquis à court terme, à long terme, à moins tout à long terme, il faut que tout est dans ma sangou. Et donc, je crois que même opérateur congolais, au baza na secteur wana je crois que baza incité pour que pour que la saison oyekoya tous allons avoir moins de problèmes en ce qui concerne mais madame ce que l'on y masango le lo au bukalobite l'on a le lo bukalobite merci beaucoup. Non, c'est pas comme ça, je crois que même logo sokoloni bazoka ton ti écho là pour que toko kako. OK. Donc voilà un peu. Merci beaucoup, on a largement dépassé le temps qu'on a prévu pour l'émission. Monsieur José Tedika Dimi, merci beaucoup de nous avoir honoré par votre présence. C'est pas une dernière. Non, mais attendez, pour moi c'était vraiment un plaisir de pouvoir débattre avec vous et je crois que pour le bonheur des téléspectateurs et je crois que je ne peux que me sentir aussi honoré que vous ayez pensé à ma modeste personne. C'est vrai que c'est la première fois qu'on se rencontre. J'espère que je n'ai pas été décevant vis-à-vis de vous et vis-à-vis des téléspectateurs. Mais il est toujours possible qu'on puisse gêner certaines sensibilités. Mais déjà, je présente des excuses parce que je suis une personne humaine avec mes défauts et mes qualités. Et puis, c'est pour dire que bon, la prochaine fois, si vous pensez que je peux venir encore votre chaîne. C'est vraiment avec plaisir que je viendrai. Et non seulement avec plaisir, et ça sera sans hésitation. Merci vraiment, beaucoup. Vraiment, nous retenons votre engagement. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Naomi. Pila. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a accompagnés. Portez-vous bien et on se retrouve prochainement.